Après avoir installé Divi, même si vous utilisez des templates fournis par Divi, vous devez passer un petit peu de temps à paramétrer les options du thème. Divi ne peut pas inventer les données qui vous sont personnelles, comme le logo ou vos réseaux sociaux. Donc je vous invite donc à passer un petit peu de temps sur les options, aller dans votre tableau de bord de WordPress, et puis cliquez sur Divi, et ensuite options de thème. Dans la barre violette, les options sont séparées en onglets et il faut rentrer dans chaque onglet et dans chaque sous-onglet pour paramétrer. Si vous ne savez pas à quoi servent chacune des options, n'y touchez pas. L'essentiel est de paramétrer vos données personnelles. La ligne logo vous permet de télécharger votre logo pour qu'il apparaisse en haut des pages de votre site web. La barre navigation fixe. Fixe la barre lorsque vous faites défiler la page vers le bas. Vous pouvez changer les couleurs par défaut du site. Ici, vous pouvez intégrer la clé qui est nécessaire pour activer Google Maps. Activer ou désactiver les icônes des réseaux sociaux. Et ensuite, remplissez les liens vers vos réseaux sociaux. Pensez à changer le format de la date. À l'heure française, avec le jour, le mois et l'année. Ensuite, vous pouvez installer des polices de caractères Google et vérifier les autres paramètres. Dans le deuxième onglet, vous avez trois sous-onglets. Dans Pages, vous pouvez exclure les pages de la barre de navigation. Si vous débutez, vous devez avoir très peu de pages, donc c'est pas très important. Pour les désactiver, il suffit de cliquer dessus. Afficher le lien d'accueil par défaut. Un lien vers la page d'accueil est créé, mais si vous avez votre propre page d'accueil statique, à ce moment-là, vous pouvez désactiver ce lien. On verra par la suite comment faire pour rediriger vers la page d'accueil. Dans le deuxième sous-onglet, vous pouvez paramétrer les catégories de la barre de navigation. Pour les exclure, il suffit de cliquer dessus, et ensuite vous vérifiez les autres options. Dans le dernier onglet de la navigation, dans les paramètres généraux, vous pouvez activer la méthode alternative si vous utilisez par exemple le système d'ancrage sur une page unique. Dans l'onglet créateur, intégration du type de poste, vous devez laisser activer le constructeur Divi pour la création des articles et des pages et des projets éventuellement. Dans le dernier onglet du créateur avancé, en principe, vous n'avez rien à toucher. Dans l'onglet Disposition, modèle d'article, vous pouvez afficher dans les articles l'auteur, la date, les catégories et les commentaires. Dans Disposition, modèle de la page, vous pouvez activer des vignettes dans la page et afficher les commentaires dans la page, ce qui n'est pas très utile de laisser des commentaires sur une page statique comme la page d'accueil par exemple. Dans le dernier onglet Paramètres généraux, je vous conseille de ne rien toucher. Dans l'onglet Publicité, vous pouvez activer les publicités et intégrer des bannières ou alors un code de Google AdSense. Dans l'onglet SEO et le sous-onglet SEO page d'accueil, vous allez pouvoir intégrer le titre de la page personnalisée, les métadescriptions de la page et puis des mots-clés qui vont vous permettre d'être bien référencé. Dans le sous-onglet SEO page d'article et dans l'index SEO aussi, je vous conseille de laisser telles quelles les options de paramétrage. Vous laissez Divi paramétrer à votre place pour les moteurs de recherche. Dans l'onglet intégration, vous pouvez activer du code dans l'entête ou alors dans le corps du site. Et dans l'onglet mise à jour, c'est là que vous avez normalement mis votre nom d'utilisateur, votre clé API. Avant de partir, sauvegardez les changements. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo, ou alors dans l'article de monrépondeurautomatique.com.